Les contamines mongeois. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à bord du 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, la manifestation des chauffeurs de taxi contre les véhicules de transport avec chauffeur, ceux qui ne respectent pas la législation. Nous verrons également que ce sont des patrons taxis grenoblois qui bousculent la loi Thévenoud et le vide juridique qui l'entoure. L'ouverture du 25e salon Grand Ski de Chambéry en Savoie, nouvelle tendance, équipement de l'avenir. Les tours opérateurs du monde entier se retrouvent sur cet événement incontournable dans la région. Et puis vous verrez le portrait de Corentin Noré, 19 ans. Il remplace en ce moment au pied levé les deux gardiens officiels des Brûleurs de Loups qui sont blessés actuellement. Nous prendrons aussi la température à quelques minutes du coup d'envoi du match Grenoble-Morzine. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale avec deux grands titres à la une, un mort et un blessé, victime d'un éboulement sur le chantier du futur site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure dans la Meuse. Un drame qui relance la polémique sur ce projet très contesté par les associations écologistes. Le centre doit ouvrir en 2025. Et puis journée de grogne sociale, des dizaines de milliers de fonctionnaires dans la rue pour réclamer un meilleur pouvoir d'achat et action souvent spectaculaire des chauffeurs de taxi contre les dérives des VTC. Plusieurs rassemblements parisiens ont dégénéré, il y a eu un blessé et 22 interpellations. Matignon promet la nomination d'un médiateur. Le mouvement national de la fonction publique à Paris comme en région. Des fonctionnaires mobilisés pour deux raisons, la réforme des collèges et la revalorisation des salaires. Au total, 3500 personnes environ ont manifesté à Grenoble, Annecy et Chambéry cumulées. Céline Aubert, Vincent Imbrand. Chambéry, place du Palais de Justice, ce matin. Ce sont un peu tous les métiers de la fonction publique qui manifestent sous les bannières de la CGT, de FO et de Solidaire. Infirmiers, agents de la sécurité sociale ou du trésor public. Un fonctionnaire qui appartient donc à la direction des finances publiques, son début de carrière et ne n'est que de 1% au-dessus du SMIC pour la catégorie C. Des salaires gelés depuis 6 ans et un coût de la vie qui augmente inexorablement. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires aurait ainsi diminué de plus de 10%. Non. Quelques heures plus tard, à Grenoble, ils sont des milliers, 2000, peut-être plus. Venus grossir les rangs du cortège, les enseignants défilent à l'appel de la FSU pour dénoncer cette fois la réforme des collèges. Les enseignants se sentent dépités, se sentent méprisés. Ils ont besoin d'être revalorisés dans leurs conditions d'exercice, dans leur métier et considérés comme des fonctionnaires de statut de cadre A, c'est-à-dire concepteurs de leur métier. En France, ils étaient ainsi des milliers dans les rues pour manifester aussi contre la suppression des postes, 150 000 depuis 2007. Maintenant, nos collectivités ne remplacent plus les fonctionnaires titulaires qui partent à la retraite. Donc du coup, on a un trop grand décalage entre ce qu'il y a réellement à faire comme mission et les possibilités humaines de les conduire. Et donc, on a des conditions de travail qui se dégradent de partout, que ce soit à Grenoble, à Roussillon, enfin dans le nord, dans le sud du département, dans tous les sens. En septembre dernier, l'accord proposé par le gouvernement n'a pas convaincu et les prochaines négociations ne s'annoncent pas mieux. Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique, a douché les espoirs. Il n'y aura pas d'augmentation significative des salaires, a-t-elle martelé. Après cette journée de mobilisation, les syndicats doivent se réunir à nouveau mercredi. Autre manifestation, celle des chauffeurs de taxi. Ils ont protesté contre la concurrence déloyale des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, qui travaillent sans licence professionnelle, avec le statut souvent d'auto-entrepreneur. Plusieurs centaines de taxis ont mené une opération escargot ce matin à Grenoble, avant d'arriver devant la préfecture de l'Isère. Même chose en Haute-Savoie, où une quarantaine de véhicules ont manifesté à Annecy. Les taxis qui peuvent pourtant cumuler leur profession avec celle de VTC, ces fameux véhicules de tourisme avec chauffeur. C'est une société de Grenoble qui est à l'origine de cette décision du Conseil constitutionnel. Il s'agit aussi d'un nouveau coup porté à la loi Thévenoud qui réglemente ces activités dans lesquelles règne encore un sérieux flou juridique. Xavier Schmitt, Grégory Lespinas. Alexandre Marillet est chauffeur de taxi, mais il exerce une seconde profession. Il est aussi conducteur de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Le Conseil constitutionnel vient de lui reconnaître le droit de cumuler ces deux activités. Il a créé son entreprise de VTC en 2009 avec deux associés, également chauffeurs de taxi.
On a commencé par développer ce service qui était plus haut de gamme que le taxi. Donc effectivement, hein, dans un but unique d'augmenter notre potentiel client et notre chiffre d'affaires, bien entendu. Mais c'était également fournir une alternative au transport que je qualifie de milieu de gamme, qui est le taxi. En 2015, Alexandre Marillet avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Il contestait un article de loi, la loi Thévenoud, qui rendait incompatibles les deux professions. Motif, la lutte contre la fraude dans les transports de malades. On a démontré devant le Conseil constitutionnel que le risque de fraude en réalité n'existait pas. Pour une raison simple, c'est que pour le transport des malades, seuls les taxis et les véhicules sanitaires légers, donc les ambulances, étaient conventionnés. Et donc le risque de fraude pour les VTC de faire ce type d'activité de transport de malades n'existait pas. Pour le Conseil constitutionnel, le législateur a porté une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre. Ça faisait vraiment partie de notre activité dès le départ. Donc à partir de là, je ne comprenais pas pourquoi on devait nous dire du jour au lendemain, vous devez choisir telle ou telle activité, alors qu'on a créé des investissements, alors qu'on a démarché de la clientèle, et c'était choisir entre tout ça. Ben, je ne trouvais pas ça normal du tout, tout simplement. Reconnues compatibles, les professions de taxi et de VTC restent soumises à des règles distinctes. Mais après plusieurs dispositions invalidées, le flou juridique de la loi Thévenoud n'est pas totalement dissipé. Social, toujours, avec l'inquiétude des salariés de la plateforme chimique de Pont-de-Clé, en Isère. Les employés d'Isochem, fabricants de produits chimiques, se sont mis en grève jeudi dernier après avoir appris par leur direction le projet de cessation d'activité. Un blocage qui n'est pas sans conséquences pour les autres entreprises présentes sur le site. Marion Feutry, Dominique Sommet. Sixième jour de blocage pour les salariés d'Isochem. Depuis jeudi, aucun véhicule ne passe les grilles de la plateforme chimique de Pont-de-Clé. Mobilisés contre la fermeture de leur usine, les manifestants viennent d'obtenir le report du plan social. Mais le combat continue pour le reclassement des 28 salariés. Nous, notre seul moyen, c'est de bloquer la plateforme. On n'a pas d'autre moyen. Le PSE est annoncé, au départ, était annoncé le 27 janvier, le début du PSE. Il a été décalé au 11 février. Donc nous, notre seul moyen, c'est ça. Une action qui impacte la plateforme tout entière, car le site compte 7 fabricants de produits chimiques. Pour la société Vancorex, la plus importante, impossible de s'approvisionner en matières premières ou même de livrer ses clients. Des pertes chiffrées à plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. Aujourd'hui, la situation de blocage, elle pose beaucoup de problèmes au niveau commercial, hein, puisqu'on n'arrive plus à fournir nos clients. Donc on a certains clients qui ont déjà commencé à arrêter leur production puisqu'ils ne sont plus approvisionnés par nos soins et d'autres clients qui ont annoncé leur intention de partir à la concurrence puisque là encore on ne peut plus les fournir. Face à l'augmentation des stocks, certains ateliers ont dû stopper leur production. Autre conséquence, les chantiers de modernisation des équipements tournent au ralenti, comme ici la construction d'un nouvel atelier de production de chlore. Pour les sociétés de la plateforme, c'est crucial de retrouver une situation de fonctionnement normale pour, d'une part, fournir les clients, et puis pour, d'autre part, étudier aussi la question sociale et notamment le reclassement éventuel des salariés. Je dirais que pour que ça se passe dans la sérénité, il faudrait retrouver un fonctionnement normal des installations de la plateforme. Les salariés d'Isochem entendent ne rien lâcher. Ils peuvent compter sur le soutien de certains confrères. Un débrayage est prévu jeudi prochain sur l'ensemble de la plateforme. La cérémonie d'hommage aux 6 légionnaires victimes d'une avalanche à Valfréjus en Savoie s'est déroulée ce matin. Le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol dont il faisait partie leur a rendu un dernier hommage en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. Correspondance dans le Vaucluse, Philippe Fabreille. Certainement un des moments forts de cette cérémonie d'hommage avec l'arrivée des 6 cercueils recouverts du drapeau français. Beaucoup d'émotion et de solennité pour les nombreux officiers et hommes du rang venus des 4 coins de France rendre un dernier hommage à ces 6 légionnaires du 2e régiment étranger du génie décédés lors d'une avalanche le 18 janvier dernier à Valfréjus. La place d'armes du quartier Maréchal Koenig à Saint-Christol-d'Albion, enveloppée par un épais brouillard, a aussi vibré lors de l'éloge funèbre du général Bossert, le chef d'état-major de l'armée de terre.
On a voulu donner autant de solennité à nos camarades qui sont morts à l'instruction, à l'entraînement, qu'à ceux qui meurent au combat. Parce qu'on a oublié que finalement, si aujourd'hui, Dieu merci, nos pertes au combat sont faibles, c'est aussi parce que l'entraînement est difficile. Ces six légionnaires, âgés de 21 à 33 ans, originaires de Madagascar, de Moldavie, de Hongrie, d'Italie, d'Albanie ou du Népal, ont été ensuite décorés à titre posthume de la médaille d'or de la Défense nationale. Toutes les familles de ces militaires, déjà présentes à Saint-Christol-d'Albion, sont invitées le week-end prochain aux Invalides à Paris pour un nouvel hommage. En Savoie, le 25e Salon Grand Ski se tient à Chambéry jusqu'à demain. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la neige de toute la planète, où la France va défendre son statut de leader devant les États-Unis et l'Autriche. Nathalie Rapuc, Frédéric Pasquette. Ils vont faire leur marché. Ils, ce sont les tour opérateurs. 460 agences de voyage des quatre coins du monde viennent rencontrer les professionnels du tourisme de sport d'hiver. Des rencontres qui permettent d'aller plus loin que de simples échanges par mail et de faciliter la communication. C'est plus perso que quand on se parle par téléphone, c'est souvent sur des problèmes ou des challenges ou des demandes ou des requests. Ici, c'est plutôt, on est content de se voir, de se parler. Et je crois que c'est très important pour la relation. Cette année, la saison de ski a plutôt mal commencé. Les réservations pour Noël étaient inférieures à l'an passé. Pourtant, les professionnels du tourisme sont plutôt optimistes pour la saison hivernale 2016. On voit bien que dès qu'il y a la neige, les clients sont là. Ça veut dire qu'il y a un marché. On pourrait dire les clients sont moins présents, il y a moins de croissance. En fait, la croissance est là. La croissance, elle vient surtout par l'international. Hein. Et là, dès que la neige est présente, il y a un volume d'activité qui est important. Sur le plan international, les Anglais sont les plus nombreux à skier dans les Alpes, suivis des Espagnols et des Néerlandais. Pour cette édition, les stations de ski veulent séduire une clientèle encore trop rare en France, les Chinois. Cette année, donc, on décide de s'intéresser un petit peu plus à cette clientèle parce que les Jeux Olympiques arrivent. Parce que l'intérêt pour le ski est grandissant. Il y a trois stations de ski qui sont créées cette année autour de Shanghai. Donc il y a un mouvement en faveur du ski qui est intéressant. Étape suivante pour ces professionnels, le printemps du ski le 20 mars prochain pour décrocher de nouveaux marchés. La neige qui sourit justement. Il y a un an, la nouvelle équipe municipale de l'Alpe du Grand Cerf faisait le pari d'une gestion intercommunale. Opération réussie pour cette petite station éseroise qui voit son activité reprendre cet hiver sur les pistes comme dans les commerces. Marie Michelier, Yves Marigleau. Le pari était ambitieux pour la commune de La Morte et ses voisines. Sauver la petite station de l'Alpe du Grand Cerf, reprendre la main sur sa gestion pour ne pas la voir mourir. Premier coup de poker, la prévente de forfaits saison à prix cassé et premier résultat aussi immédiat, 2800 vendus l'hiver dernier. Non seulement ça a bien fonctionné, mais on s'aperçoit que c'est une stratégie payante puisque ça nous permet d'absorber des débuts de saison extrêmement compliqués du fait du déficit d'enneigement. Nous étions très inquiets l'an passé. Cette année, nous étions très sereins puisque à ce jour, nous sommes là à peu près 30% du chiffre d'affaires de l'an passé. Un an après, même en pleine semaine, les skieurs sont sur les pistes et les comptes à l'équilibre. Forte de ce redémarrage, la station mise à présent sur l'événementiel et accueillait par exemple jusqu'à dimanche la Gay Ski Week, une semaine d'animation à destination du public gay et lesbien, une façon de faire parler d'elle bien au-delà des montagnes de Loisans. J'étais habituée aux grosses stations, là de venir dans cette ambiance vraiment familiale. Avec une équipe super impliquée, on dit bonjour à tout le monde le matin, aux remontées mécaniques, on fait des coucous, c'est vraiment super, vraiment, et ça donne envie de revenir. La clientèle de proximité, la première espérée à elle aussi, retrouver les pistes de l'Alpe du Grand Cerf, des Matésins, des Grenoblois, mais aussi des Lyonnais ou des Stéphanois. Ça a apporté plus de dynamisme au niveau du commerce, au niveau de la station. On a besoin de ça, on a besoin d'une locomotive qui nous tire tous un peu vers l'avant, vers... d'autres projets et voilà, on sent que maintenant que c'est bien parti sur la station. C'est bien parti et ça ne s'arrête pas là. Du ski alpin, l'extension des pistes de ski de fond aussi, un snowpark ou des chiens de traîneau. Une offre complète sur quatre saisons, voilà clairement l'objectif annoncé.
On a, je pense, stagné trop longtemps. Et du coup, aujourd'hui, il faut effectivement redonner un nouveau souffle. On est une station familiale. Donc, quand la famille vient et puis que le papa veut aller faire du ski de fond, la maman de la raquette et puis les enfants du snowpark, il faut qu'on puisse offrir à tout le monde de quoi satisfaire toute la famille, quoi. Un nouveau souffle pour la station comme pour la petite commune de 160 habitants qui l'accueille, avec comme premier signe l'installation dans le bourg de nouvelles familles. L'Alpe du Grand Serre façonne donc tranquillement mais sereinement sa nouvelle histoire. Le manque de neige persistant qui fait aussi l'actualité chez nos voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exemple à Hauteville-Lonne, dans l'Ain, où la petite station de ski s'apprête à investir 1 million d'euros dans des canons à neige. Une hérésie pour les opposants au projet qui contestent son coût et son impact écologique. Béatrice Tardy, Sandra Méallier. À 900 mètres d'altitude, les opposants au projet s'arrêtent au bord de cet étang. Car cette eau serait pompée pour créer de la neige de culture. C'est pour eux une première aberration. Ils contestent la fiabilité de l'étude écologique commandée par la communauté de communes du plateau d'Hauteville. Le diagnostic a été fait sur une seule journée au mois de juin, alors qu'en fait, quand on fait une étude écologique sur un site, on vient au moins deux fois dans l'année, et notamment principalement au printemps, pour justement voir tout ce qu'il y a au point de vue des fleurs, de la végétation, de la faune et de la flore. Ils habitent Hauteville-Lonne et le plateau du Rotor et regrettent le manque de concertation sur ce projet coûteux. 13 canons à neige qui seraient installés pour enneiger le bas de ce petit domaine skiable. 1 million d'euros sur un site comme celui-ci, ce n'est pas acceptable par qui que ce soit, quoi. Et d'autant plus que les personnes qui viennent ici faire du ski, ce sont des familles, donc dans un rayon en gros de 80 km, donc ils viennent skier ou faire du sport familial, de la luge, mais à la journée. Donc économiquement, il n'y a pratiquement aucune retombée pour le commerce. On est nombreux à le penser qu'avec cet argent-là, il y aurait moyen de trouver des choses beaucoup plus novatrices, des projets qui nous sortiraient vraiment, qui nous démarqueraient d'autres territoires similaires. Ils ne veulent pas de neige artificielle, mais ils veulent conserver les remontées mécaniques. Un raisonnement que la communauté de communes du plateau d'Hauteville trouve aberrant. Car aujourd'hui, personne ne peut profiter de cette vue du Mont Blanc à 1200 mètres, vu que le domaine alpin est fermé. Car si l'on peut skier sur la face est, toujours enneigée, impossible de rejoindre la face ouest, faute de neige suffisante, 300 mètres plus bas. Des investissements massifs sont allés sur l'ensemble du site, beaucoup plus de l'autre côté, mais complètement complémentaires. Nous poursuivons et nous accentuons même, mais nous assumons pleinement cette stratégie de développement économique, de développement touristique. Hauteville-Lonne autofinancerait la moitié des canons à neige, le reste serait subventionné par le département. Le vote est prévu mercredi soir pour que l'hiver prochain, cette eau puisse être transformée en neige, sauf si les opposants arrivent à faire entendre leur voix. Hockey sur glace, les Brûleurs de Loup reçoivent les Pingouins de Morzine-Avoriaz-Léger ce soir pour un match en retard de la 8e journée de Ligue Magnus. Dans les cages des Grenoblois ce soir, un tout jeune gardien, Corentin Noré, 19 ans. Il a la lourde tâche de remplacer le gardien titulaire et son suppléant, tous les deux blessés. Son portrait, Marie Michelier, Cédric Picot. Il ne s'attendait pas à cette promotion éclair. À tout juste 19 ans, Corentin Noré défendra ce soir une nouvelle fois les filets de l'élite grenobloise. Numéro 3 dans la hiérarchie des portiers des Brûleurs de Loup, il a dû remplacer au pied levé le numéro 2, sorti sur blessure, qui remplaçait lui-même le gardien titulaire blessé. Une situation plutôt rare qu'il aborde sereinement, malgré la pression. Petite pression, évidemment, oui, mais je sais gérer ça. Je suis quelqu'un de calme dans la vie tous les jours, donc je relativise, je souffle, j'essaie de me vider la tête et puis tout se passe bien. L'excitation, elle est présente, bien évidemment. La fierté aussi, même si c'est par défaut, entre guillemets, que je me retrouve là. Mais Vous savourez ? Oui, absolument. Oui. Ouais. Habituellement, dans les rangs de l'équipe U22, les moins de 22 ans, Corentin vit ses derniers jours au rythme de la Magnus. Sa vitesse, son prestige aussi, et bénéficie d'une attention toute particulière pour garder la tête la plus froide possible. Ce n'est pas évident de rentrer comme ça dans un rythme, dans un championnat. Mais écoute, je pense que d'un côté, oui, c'est inquiétant un petit peu parce que quand un jeune comme ça, qui n'a pas d'expérience, c'est jamais évident. Mais de l'autre côté, écoute, l'équipe a bien réagi jusqu'à maintenant. Puis écoute, j'espère que ça va continuer. Pour son baptême du feu, vendredi dernier, sa première titularisation, Corentin a décroché le titre de meilleur joueur du match. L'équipe a fait bloc autour de lui et même arraché une victoire face à Rouen, son meilleur ennemi. Ça nous motive encore plus, on a envie de bien faire pour lui, pour l'aider.
Et du coup, on s'applique à faire toutes les petites choses correctement, défensivement et tout ça, parce qu'on a envie que ça se passe bien, sa première expérience pour lui en Magnus. Une première expérience éphémère, par essence, car Grenoble est en passe de recruter un joker médical. Qu'importe, Corentin ce soir profitera encore de ces quelques instants offerts en Ligue Magnus. La devise de l'équipe, visser de la tête jusqu'au bout des bottes. Voilà, Corentin qui doit déjà être à l'échauffement sur la glace du pôle sud de Grenoble. Nous sommes à quelques dizaines de minutes de la rencontre qui va opposer, je vous le disais tout à l'heure, les Brûleurs de Loup aux Pingouins de Morzine à Voria-Léger. Et vous êtes sur place, Maxence Regnault. Ah oui, c'est la dernière ligne droite pour la saison régulière de cette Ligue Magnus pour Grenoble et pour Morzine. Deux équipes diamétralement opposées. D'un côté, Grenoble, quatrième de la Ligue, qui reste sur 6 victoires lors de ses 7 derniers matchs, dont l'une ce week-end, c'était à Rouen. Et de l'autre, il y a Morzine, dernier du championnat, moins bonne attaque, moins bonne défense. Des stats qui forcément ont obligé les instances du club à prendre une décision. Et cette décision, eh bien, elle est tombée ce matin pour nous, hier pour les joueurs. Le coach Tommy Hartog a été démis de ses fonctions. C'est donc sans entraîneur que Morzine vient ce soir sur la patinoire de Grenoble. Et pour assurer l'intérim, eh bien, 3 joueurs ont été désignés. Mathieu Gestin, Yacoub Sindel et le capitaine Cyril Papa qui est avec moi. Bonsoir. Ma première question, comment cette décision elle a été prise par le groupe, par le vestiaire? Bah écoutez, nous, on a pris acte de la décision. Voilà, maintenant, c'était connu une saison difficile avec vraiment, on est dernier, comme vous avez dit, moins bonne attaque, pire défense. Et puis, en 21 journées, on a gagné que 3 matchs. Et voilà, donc le coach paye les frais de ce début de saison, enfin de cette saison un peu catastrophique. Mais je tenais à dire que voilà, que c'est pas le seul coupable. Je pense qu'on peut inclure les joueurs, le comité aussi, tout l'ensemble du club. Je pense à une part de responsabilité dans cet échec. Et puis voilà que donc le club a décidé donc de limoger le coach en espérant voilà, vraiment une réaction du groupe. C'est vraiment un électrochoc qui a attendu. C'est ça l'objectif, c'est faire un électrochoc pour lancer cette fin de saison et essayer de se maintenir. Voilà, je pense que c'est un peu le choix de la dernière chance et essayer voilà, de nous donner une nouvelle impulsion au groupe, un nouveau challenge avec une nouvelle personne. Donc pour ce soir, on est 3 joueurs à prendre l'intérim, mais voilà, on attend un nouveau coach rapidement. Sachez également que la première manche du slalom de Schladming vient de s'achever en Autriche. Les Français sont un peu loin du leader. Le leader, l'Allemand Félix Neureuthen. Alexis Pinturo, meilleur tricolore, est 8e à 1 seconde 54. Julien Lisou, lui, est à 2 secondes. Grange et Muffat Jornet sont un peu plus loin, au-delà de la seconde et demie, de 2 secondes et demie. Mais vous le savez, en deuxième manche, tout est permis. Deuxième manche à 20h45. Côté sport, toujours, les supporters du GF38, le club de football de Grenoble, sont interdits de déplacement en Alsace samedi prochain par arrêté préfectoral. Une histoire de bagarre qui se paye cash à découvrir sur notre site alpes.france3.fr. Le théâtre de poche de Grenoble, un espace culturel dédié à la jeune création, accueille cette semaine une proposition musico-théâtrale originale intitulée « Je n'ai rien contre le réveillon ». Elle met en scène 4 personnages autour du thème de l'amitié. Damien Borelli, Yves-Marie Glot. Chérie, nous sommes des prédateurs. Nous avons besoin de proie. Depuis 10 ans, nous n'avons rencontré personne. Oh. Désireux de changer de vie, Jérémy veut rompre avec son passé. Dominique, l'une de ses plus proches amies, essaye de le comprendre. Alain Klingler et Sophie Rockwell ont écrit une drôle de partition dans laquelle un quatuor d'amis joue et rejoue leur relation passée. En toile de fond, cette grave question, comment rompre une amitié à l'amiable ? Il y a des ruptures amoureuses qu'on arrive à résoudre. J'ai l'impression que l'amitié, c'est plus compliqué. C'est tellement une part de nous incroyable, l'amitié. Et le projet de cette pièce, c'est ça. Ça parle de l'amitié, de ce garçon qui veut rompre avec son entourage, non pas parce qu'il ne les aime plus, non pas parce qu'il a un problème avec eux, parce qu'il pense que la vie l'attend ailleurs, qu'il a la grande vie rimbaldienne, on va dire, et un espèce de projet artistique en lui. Running, rushing back for more, I suffered fools so gladly.
truffé de références artistiques. Je n'ai rien contre le réveillon est une succession de performances, comme cette reprise de Madonna, interprétée par Chloé Mons. La dernière épouse d'Alain Bashung n'a pas hésité à s'embarquer dans cette aventure. Enfin, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le projet, dans le petit monde d'Alain, parce qu'il nous fait rentrer dans son petit théâtre, je dirais, avec ses lectures, les films qu'il voit, les musiques qu'il écoute. Enfin, d'un seul coup, on rentre quand même dans son monde. Et donc, il y a toute cette fantaisie. Hein, on peut parler de fantaisie, mm-hmm. où ça chante, c'est très vivant, comme ça on passe de la chanson à des références littéraires, etc. Et en même temps, c'est très mélancolique. Tu as entendu la rumeur ? Oui, comme tout le monde. Je l'ai juste mis sur mon blog. Alors elle s'est propagée ? Sûrement un peu. C'est la destinée des rumeurs. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi. Mélancolique et glamour à la fois, ce spectacle théâtro-musical est à découvrir dans l'intimité du théâtre de Poche de Grenoble jusqu'au 30 janvier. Le prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, c'est après Soir 3, vers 23h ce soir. Demain midi, vous retrouverez Jean-Christophe Solari pour le rendez-vous du Journal des Alpes de midi. Et je vous retrouve demain soir avec grand plaisir à 19h. Excellente soirée à vous sur la France.